À toutes et à tous, ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 21 du Tour de France 2020. C'est bien la dernière étape de ce Tour de France, une étape toujours qui arrive au Paris Champs-Élysées. Et aujourd'hui, elle partira de Mantes-la-Jolie pour donc arriver sur les Champs-Élysées. Une étape de 122 km au programme. Ça serait une étape normalement pour les purs sprinteurs. Il y a encore une dernière côte répertoriée pour attribuer des points pour le classement des grimpeurs. Mais bon, ça ne servira plus à rien. C'est Tadej Pogacar qui remporte ce classement. Il y aura un sprint intermédiaire également. Mais bon, normalement pour le maillot vert, ça ne devrait pas bouger non plus. C'est Sam Bennett qui devrait le remporter. Et donc, on assistera à un sprint massif pour tout simplement une des victoires les plus prestigieuses pour les sprinteurs. Donc, on va voir qui est capable de gagner tout simplement cette ultime étape. Alors au niveau des favoris, on a bien sûr Calabewan qui est surpuissant, c'est peut-être le plus rapide des sprinteurs. Il y a également Sam Bennett, qui est le maillot vert et qui en plus a une très bonne pointe de vitesse. Il y a également à 2 étoiles Peter Sagan qui n'a toujours pas gagné d'étape, Sej Bol qui n'a pas gagné d'étape non plus, Wout Van Aert lui qui a gagné déjà des étapes. À 1 étoile, on retrouve le français Brian Cocquart, c'est le seul français capable de remporter le sprint tout simplement. Mats Pedersen, le champion du monde, Jasper Stuyven, Matteo Trentin, Lucas Mekhijs, Elia Viviani qui n'a pas remporté d'étape non plus, Hugo Hofstetter, le français d'Israël Cycling, un peu plus en retrait, comme Nicolo Bonifacio, ça serait compliqué pour eux de gagner, mais Bonifacio qui avait fait une très bonne position il y a quelques années sur Paris-Champs-Élysées, notamment ce sprint, donc à voir s'il est capable justement en troisième semaine d'aller chercher un sprint. Donc en tout cas, on assistera à une belle course, bien sûr, la remise des récompenses, les podiums à l'arrivée. Et puis ce sera une arrivée donnée enfin, vers 18h50, 19h. Hein, donc ça sera assez sympathique à regarder. C'est toujours une course un peu spéciale, l'arrivée aux Champs-Élysées. Petit champagne pour ceux qui ont gagné, et puis même pour tout le monde dans le peloton. Donc ça roule doucement. Souvent pas d'échappée, hein, ça fait déjà plusieurs années où il n'y a plus d'échappée. Et puis tout simplement le mythique circuit autour des Champs-Élysées pour aller récompenser tous les vainqueurs tout simplement de tous les classements. Bah, là Pogacar il va monter plusieurs fois sur le podium, maillot blanc, maillot à pois et maillot jaune. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à pour d'autres vidéos de ce genre, notamment le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne qu'on suivra sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao ma team!